Salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay test de A Way Out et je suis en compagnie de Choupito. Comment vas-tu? Et salut, ça va? Ça va, depuis ouais. Le temps, depuis 2015 qu'on n'avait pas fait une vidéo ensemble. Et on se retrouve du coup pour le jeu édité par EA, développé par Ezlight, sorti le 23 mars 2018 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Prix très abordable de 29 balles, faut pas oublier de le citer. Ça fait que 6 kebabs. C'est une remarque pertinente que je tâcherai de garder pour moi. Et 16 sur 20 sur la plupart des sites communautaires de jeux vidéo. On lui donnera notre note à la fin de la vidéo si tu veux bien. Oui, oui. Et du coup, bon, on l'a terminé ce jeu. Ouais, il y a 5 minutes. Voilà, il y a 5 minutes. Sans trop de spoilers, je te permets de rejoindre la game. Et qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Directement là, quelques mots comme ça. Qui te viennent alors? Ben non, ouais, non, rien. Rien, on va rien dire. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, grave. Ça dépend de la fin. Il y a plusieurs fins, ça c'est sûr et certain. Il y en a plusieurs. On en a fait qu'une, mais bon. On a décidé pour cette vidéo de vous présenter plusieurs séquences qui nous ont paru assez épiques, avec un gameplay assez sympa à pouvoir montrer. On va de suite commencer du coup par incarner nos protagonistes à nous, Vincent et Léo, les deux personnages, à savoir que ce jeu ne se joue que en coopération, et forcément en coopération. Si on joue seul, pas possible. Eh non. C'est ça qui est sympa d'ailleurs. Oui, mais à savoir aussi que donc, du coup, on joue en écran splitté, toi et moi, du coup, pour le gameplay, mais on peut, tout possesseur qui a la version complète du jeu, peut envoyer une invitation à un de ses contacts pour pouvoir jouer en ligne avec. Voilà. Ça, on n'a pas essayé par contre. On l'a pas fait. Mais je suppose que Béja voudra l'invitation et tu pourras le suivre depuis chez toi. Oui, parce que je vois les autres fins quand même. Ah ben oui. Mm. Les autres endings, ce serait pas mal. Après, donc là voilà, on se retrouve dans une prison, on incarne donc du coup nos deux protagonistes qui se retrouvent tous les deux en prison et notre but forcément c'est de s'enfuir. A Way Out, la porte de sortie forcément. Et les gars. Alors, voilà. De toute façon ils ont pas vu le reste donc on peut passer à la cinématique je pense. On peut éventuellement la passer, oui, ouais, ça va montrer qu'en gros, toi, tu vas te faire péter la gueule à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a ça. Mais d'ailleurs, non. Ça, c'est moi, d'ailleurs, Vincent. Non, toi, tu joues Léo. Moi, c'est Vincent. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que je suis, con. Voilà, un écran splitté dynamique s'offre à nous, et ça nous permet, donc, du coup, de suivre l'avancée scénaristique des deux joueurs. Et ça, c'est vraiment sympa. Moi, je sais déjà où m'asseoir. On va pas perdre de temps, on va enchaîner les trucs. Moi j'essaye de faire bouger les deux là pour accéder à mon manger quand même. Parce que t'as faim. Je vais avoir plusieurs choix. Je fais celui-là parce que la dernière fois je fais l'autre. Il y a des choix, beaucoup de systèmes de QTE aussi dans le jeu. Ils vont nous permettre de se fighter, de faire des choix. Là, tu vois la dernière fois j'avais pas eu besoin de me battre. Ouais. Si je leur avais mis deux petites gifles. Ah oui oui oui, les gifles là ouais, les espèces de tatanes derrière la nuque. Ouais. Donc là donc du coup, ouais bon, tu les as victimisés. Donc du coup, direction ton garde-manger. Et c'est là que tu te fais attaquer par ton petit rival de cellule, quoi, en gros. Ouais, c'est plus compliqué que ça, mais bon, pas spoiler, mais... Ouais, voilà. Alors, moi, je dois vite arriver. Alors, sachez qu'on va burster nos touches, donc vous allez les entendre cliquer un petit peu. Mais bon, c'est en même temps, c'est du direct, hein. Désolé, je peux pas non plus muter tous les sons. Là, je l'optimise un peu. Oui, graphiquement il est pas dégueulasse. Et pour 29 balles, franchement, une durée de vie quand même qui est plutôt agréable, je trouve. Pour un jeu qui coûte que 29 balles, ouais. Ça a été étonnant. C'est mieux que le pouvoir de la force 2, quoi. Oui, le pouvoir de la force 2 qui se finit en 3h30. Mais qui coûte 70 balles. Exactement. 70 balles, putain. Donc là, voilà, notre but en gros c'est de reculer et de pouvoir balancer tout ce qui se trouve à notre portée. C'est assez drôle. On a vraiment l'ambiance tolar quand même, c'est le jeu scénaristiquement il est vachement bien représenté et le cadre est super classe quoi. On va devoir encore se battre. Et là, le méchant va faire une erreur. Une erreur? Mais que va-t-il faire? Ok. Est-ce que aux États-Unis c'est pas la peine de mort pour ça? Un meurtre égale la peine de mort, oui. Enfin, surtout un meurtre sur un flic, je pense.
toute façon, il va mourir là, je pense. On le voit pas dans le jeu, mais à mon avis, on le revoit plus, quoi. Mmh, non, on le revoit plus. Non, c'est vrai qu'on le revoit plus, effectivement. Ouais, tu fais bien de le rappeler. Et c'est là qu'on se retrouve, du coup, à la deuxième étape, qui est l'infirmerie. Ce qu'on voulait vous montrer aussi. Infiltration. Infiltration, une phase d'infiltration, voilà. On va devoir du coup s'aider mutuellement, à savoir que les deux protagonistes à ce moment-là du jeu ne se connaissent pas plus que ça, ils se sont aidés très brièvement. C'est la deuxième fois qu'il y a une interaction. Dans la cuisine, là, c'est la deuxième fois qu'il y a une interaction entre les deux. La première fois, c'est dans la cour parce que ben, la même personne est en train de t'agresser dans la cour en fait. Ouais, lui, il m'aime bien. Ouais. il me kiffe. Ouais, c'est un super pote. Il est pas doué en relations humaines, c'est tout. Ah oui. Donc voilà, ton but est d'aller récupérer cette... C'est une lime, hein, c'était pas un tournevis. C'est un ciseau à bois, exactement. Excuse-moi, c'est vrai que c'est ton domaine. Ouais. Je ne vais pas... Te... Jean Cri, d'ailleurs. Je veux pas te contredire là-dessus, ouais, moi ce n'est pas... Ouais, tu sais, moi et le tennis... Hein. Oui. C'est plus Jokari. Ah. Ça, je joue tout seul. C'est ma passion de jouer ça. Parce que j'ai pas d'amis. C'est la barre de carrer les autres. Donc là, du coup, voilà, il y a une première, entre guillemets, entente, un premier dialogue entre les deux. Mais c'est vrai que c'est un jeu, en gros, qui va vraiment pousser, jouer avec un teammate, avec quelqu'un que vous avez l'habitude de jouer, et c'est vrai que c'est un jeu qui va non seulement rapprocher les deux personnes, mais aussi, ça rapproche les joueurs IRL de voir qu'il y a une telle complicité in-game, en fait. Quoi. C'est ça qui est cool. Mais franchement, pour avoir mérité un 16 sur 20 pour un jeu qui a moins de 10 heures en durée de vie, certes, mais bon, pour 29 balles, ça va. Clairement, moi, je les dépense, moi, 29 balles pour... Tu l'as fait de toute façon, hein. Oui. Je l'ai fait, effectivement. Du coup, non, franchement, c'est banco. Clairement, c'est banco. Donc, ton but est d'aller chercher, du coup, cette lime à bois, c'est ça ? Ciseau à bois. Ça ressemble pas du tout à un ciseau. Je vais devoir appeler l'infirmière. Non, d'abord, faut que je Ah oui, c'est vrai, toi tu sors. Ouais. J'aille me planquer d'herbe. Ok, I'll distract the nurse. J'appelle l'infirmière. On s'en va un peu plus vite parce que là, on l'a déjà fait, du coup. Comme on l'a déjà fait, voilà, on va éventuellement. Bon, elle répond pas. Si elle arrive. Et là, en fait, je sors et je l'égorge. Ah oui, ah, c'est la... C'est la fin alternative. Ouais, exactement, voilà, c'est ça. Hop. C'est le truc annexe. Bye bye. Donc pendant ce temps, moi je suis obligé du coup, pendant que Chupito va récupérer ce ciseau, moi j'ai une question-réponse dynamique. Non mais il faut que tu fasses distraire, il faut distraire aussi là. Oui, d'abord je dois la distraire, mais après on a un temps de réponse. Si on répond pas à temps, il se passe encore autre chose. Chaque réponse va modifier en fait le scénario du jeu. Ce qui fait que la trame scénaristique a de nombreuses branches en fait. Ah non, c'est là où il faut que tu tapes. Ouais, je vais devoir... alors, d'abord, voilà. Là, elle se barre. Et toi, tu as un flic, du coup, qui... Ouais, toi, faut que tu tapes sur la... Ouais, mais là, comme elle est à côté, je peux pas... Vas-y, si, carré, pour... Non, ça va l'appeler, elle. Il va falloir que je tape au... Ouais, triangle. Non, triangle, ça, c'est directement pour parler. Mais il faut qu'elle se barre, en fait. Ah non, voilà, il fallait que je déclenche ça, je pense. Ah, tu t'étais pas rapproché du flic. Je n'étais pas assez rapproché, je pense. Ce qui fait que là, voilà, je peux, effectivement. Ça lui a fait peur et il renverse son café. Ouais, il se renverse le café sur la gueule. Là, je vole l'outil. Vous voyez à quel point la coopération est cruciale dans ce jeu. Donc comme je vous ai dit, c'est un jeu qui ne se joue qu'à deux. Et seul, à moins que vous ayez deux manettes, mais bon, à un moment, vous allez vous retrouver forcément avec un gameplay assez brutal, autant pour le joueur 1 que 2. Et à moins que vous ayez quatre mains, ça ne sera pas possible. Quoi. Vous avez besoin d'autre chose. Donc voilà, là, c'est à moi encore de l'occuper pour que tu reviennes. J'attends d'avoir le timing qui baisse un peu, histoire de faire gagner du temps à mon teammate, comme ça au moins. I need something for it. What type of pain? I can't really. Allez, va te coucher. I mean, it feels like. Et bien voilà. Donc ça, c'était une petite phase pour introduire du coup le côté un petit peu complicité. Et
qui manque forcément et ce que les gens veulent voir, c'est une séance un peu gunfight. Ouais. Donc ce qu'on va faire, voilà, on va switcher, on va scinder la vidéo, on va de suite se retrouver à un moment. On va pas vous dire chronologiquement où est-ce qu'il se situe forcément, pas de spoil, mais au moins un petit moment de gunfight. Du coup, on enchaîne directement. Non, d'abord, tu voulais pas faire la clinique d'abord ? Ce sera peut-être un bonus. On verra bien en fonction du temps qui nous reste. S'ils sont sages, ils auront leur clinique. Ça marche. That way. Du coup, on se retrouve enfin dans la phase de gunfight. Donc, à savoir qu'il y a 4 armes disponibles dans ce jeu. Donc, du coup, nous avons la HKMP5 qui fait du tir automatique, forcément. Le M14, du coup par coup, c'est un sniper mais sans lunettes. Le fusil à pompe, et oh putain, j'ai pris une décharge. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le M16 que tu as actuellement qui tire rafale de 3 balles. Donc là voilà, phase gunfight, où est-ce qu'il est ce mec? Ah oui, c'est le sniper qu'on doit... Ouais. Oui, forcément. Donc je te laisse progresser. Et c'est toi qui vas aller buter le sniper. Ah, ok. Bon, il m'a démonté le bâtard, c'est bon. Je crois que c'est à moi de rentrer du coup. Et toi, tu restes derrière, c'est ça? Ouais, moi je vais rester... En gros, là, ouais. Ouais, tu dois pas ouvrir la porte, il me semble. Non, je dois rester ici. Toi, tu montes. Ça reste quand même assez immersif, même si on voit que les phases de gunfight sont pas réellement le point fort du jeu, franchement. Elles sont un peu mâchées. Non, mais il est pas fait pour ça, ouais. Alors, non, tu sors pas, toi. Oui, non, mais il y a l'animation. Tac. Ah, tu t'en rappelles ? Voilà. Ça, c'est quand j'ai dit, oh putain, faut pas que j'aille par là. Moi, si je le fais, ça fait pareil ou pas ? Ben là, du coup, ouais. Okay. Reste couché. Non, il faut que je le démonte, et c'est à ce moment-là que tu pourras sortir. Je pense que tu peux y aller. Alors, moi ça va être à moi de te couvrir en sniper pendant que toi tu vas progresser. Ouais, fais gaffe, cache-toi bien. On va attendre que les gens se placent bien. Comme à mon habitude, je vise hyper bien. Je suis là pour te couvrir. Oh, bien. Tu peux avancer un petit peu, je pense. Croix, c'est la roulade. Carré, se mettre contre un rebord. Ça y est, ça arrive sur toi. Waouh, c'est violent par contre. Putain. Par contre, ouais, c'est vraiment pas bien. Enfin, c'est vraiment pas. Oui, le jeu n'est pas connu pour ses séances de gunfight, clairement. Oui, c'est pas très très travaillé. Merde, ouais. Même si c'est édité par EA, on aurait pu se dire qu'avec Battlefield, il pourrait être habitué. Mais finalement, non, ce n'est pas les codes sources des jeux FPS, TPS qu'a pu développer ses éditeurs. Qui nous est proposé dans A Way Out. Je me rappelle plus où ils sont. Ah, si, ils sont là. Et puis le jeu est un jeu scénaristique de base et il n'est pas fait forcément pour la fight, clairement. C'est pas un jeu vraiment gunfight. J'ai aucun visu sur le dernier, faudra que tu l'aies. Ah, bien joué. Même pas besoin de. Je finis même pas ma phrase, c'est fait. D'ailleurs, je crois qu'on est. De tout le jeu, on a eu quelques game over, mais jamais sur des gunfights parce que. Oh non, le gunfight est très simple, très très simple. Mais après, ça reste. C'est pas le point fort du jeu, oui, clairement. Okay. Il en reste un en haut, c'est ça ? Ouais. Là-bas. Toi, t'en as plus qu'un aussi sur ton radar ? Ouais. Oh là là ! Donc comme ça, vous pouvez voir une phase en gros de loin en cover snipe et une phase, bah, du coup, directement. Ouais, je t'élimine les ceux qui sont en haut parce que là ils m'emmerdent vraiment. Ouais. Je leur tire dessus pourtant. Enfin, j'ai l'impression qu'ils esquivent ma balle en fait. Voilà, ce duo c'est bon. Ils prennent pas leur balle. Ils prennent pas leur balle putain. Il en reste un. Hein. Ouais. Bien, wesh. That should be all of them. Parfait, du coup je vais pouvoir te rejoindre. Du coup. Comme des séances de gunfight, on va vous l'avouer, il n'y en a pas beaucoup dans ce jeu, on vous a dit c'est pas réellement le côté phare du jeu, on va pas en montrer davantage. Ouais, mais il y avait celle-là qui était quand même qui était celle-là, sympa. Elle était sympa, la suite est encore plus sympa, mais on va s'éviter encore une fois du vrai plus. Spoil après. Voilà, ouais, on va pas spoiler. C'est maintenant là ou pas le... Ouais, c'est maintenant, c'est après cette porte, donc on va éviter. Okay. On va s'arrêter là, et bon, il nous reste un peu de temps. Est-ce que... Allez. Y a quoi, Est-ce qu'on leur cale la clinique ou pas ? Il y a un truc aussi qui est sympa plus que la clinique, c'est la première fuite en voiture sur le pick-up, là. Ah ouais, mais les phases en voiture, on va leur laisser découvrir, il faut leur laisser quand même quelque chose à mâcher. Bon, on fait la clinique, ouais, c'est le passage, est long, en fait.
Dès qu'il y a la fight, au pire, on enclenche, quoi. Ok. Bon, allez, on vous propose la cleaning, vous avez été gentil. Et on terminera ce gameplay découverte de Way Out là-dessus. Donc du coup voilà, vous avez été sage, on continue. Oh mon dieu, nous sommes dans un hôpital en fait. Et pour X raisons. Voilà, pour X raisons. Et on doit se barrer parce que les flics sont toujours à notre recherche. On s'est quand même enfui de prison. Et là c'est plus un écran scindé. Ouais, on a chacun une petite phase. Chacun son tour. Voilà, et on va switcher le gameplay au fur et à mesure que l'écran ben, se partage tout simplement. Allez, démonte-le, oui. Et ça encore, c'est une petite phase du jeu qui montre que c'est vraiment classe, ça a été vraiment pensé pour la coop, et on n'a plus du tout de jeu comme ça, coopération, quoi. Et finir des jeux à deux, ça remonte limite du temps de la PlayStation 2, j'ai envie de te dire. Oui. Oui, pas loin. Oui, pas loin. En écran scindé, en tout cas. Ah oui, non, l'écran scindé, t'as quasiment plus de jeu qui fait ça. Alors, c'est à mon tour. Passez-vous. Ça reste quand même assez dynamique et c'est ça qui est cool, c'est que ça s'enchaîne très 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 vite. Bizarrement, t'as plus de QTE que moi quand même hein, dans cette séquence. Allez, barre-toi. Casse-toi le poulet. Je m'en rappelle plus où est-ce que je vais. Ah si, je sors par la porte. Par la porte, ouais, c'est ça. Il fallait que j'attende qu'elle se tourne tout ça, et après je pouvais traverser. Du Léo tout craché quoi. Tu vas t'ouvrir la putain de porte. Même après l'avoir fait, on reste quand même sans voix devant parce que c'est vraiment classe quand même. Ah, enfin une séance où est-ce que je peux jouer. Non mais concentre-toi du coup. Je me concentre. Avec une magnifique vue subjective sur le boule de Vincent. T'adores ça. Fallait pas le dire. Ah ça y est. Alors ça c'est un moment, j'envie le joueur 2 juste pour ce moment là. Travelling horizontal. C'est baston à la Old Boy, comme vous pouvez le voir, c'est une grosse dédicace. C'est le combat en 2D, c'est juste fou. Et ça, il n'y a que le joueur 2 qui l'a, donc si vous voulez... Le joueur 1, ça dépend, celui qui choisit Léo en tout cas. Oui, celui qui prend Léo, oui, voilà. Mais Léo est attribué généralement au joueur 2. Voilà. Alors là, la particularité, c'est que c'est pas du QTE. Ah oh, tu te l'es reprise, hein. Tu te l'étais prise dans le premier cut. Un vieux coup de poing à la PUBG, le mec est lancé dans les airs, bam. Là, c'est pas du QTE là, j'ai carré ou triangle en fait à faire. Carré étant les coups, triangle, la parade. La parade, la contre-attaque. C'est génial, putain. Quand tu frappes, est-ce qu'il se recule si t'es assez près ou pas? Est-ce que t'as remarqué un truc ou... Hein? Ou c'est juste que t'es mal placé? Quand tu frappes, des fois il se recule, je vois, genre pour t'esquiver. Est-ce que tu crois que c'est fait exprès? Oui, je pense. Mais lâchez-moi, bande de nazes. Ça se fait pas de frapper les femmes. Hein. C'est elle qui va commencer. Elle a commencé, elle avait qu'à pas. Si franchement, avec ces 4 séquences qu'on vous a montrées du jeu là, la quatrième qu'on est en train de vous montrer, si franchement le jeu vous fait pas kiffer, c'est que vraiment il y a un problème. Vous avez vraiment un souci, parce que pour nous c'est banco. On peut peut-être parler de la note qu'on va lui attribuer. On s'est tous les deux mis d'accord sur une note. 16,2. 16,5, voilà. On s'est dit entre 16 ouais, bah, pas d'accord, alors. Et 17. Donc du coup pour lui c'est 16,2. Mais on ne peut pas mettre des virgules 2 dans les notes. Donc c'est 16,5. Ok, mais s'il y a des règles maintenant en plus. Bravo. Bah oui. 16,5, c'est la note qu'on attribue pour ce jeu. Il a pris 16 dans une moyenne générale, mais voilà. Le 17, oui, il le vaut peut-être pas, parce que 17, c'est assez proche d'un jeu qui est assez proche de la perfection, quand même. Non, mais 17, ça aurait mérité si les gunfights étaient un peu plus travaillés, tout comme voilà, ça. Voilà, ouais, par exemple.
Mais c'est surtout son côté scénaristique qu'on souligne, parce que niveau scénar, depuis par exemple The Last of Us ou des jeux qui te retournent la tête comme Spec Ops The Line, on en avait plus beaucoup des jeux comme ça, et rien que pour le côté scénaristique, il vaut quand même un bon 19,5 quand même. Oui. Oui, clairement. Ah putain, mais c'est à moi de jouer là. C'est à toi, oui. Donc là, tu as plusieurs choses. Tu peux ou tirer sur le flic ou tirer ouais. en l'air. Mais ça, j'ai jamais essayé. Oui, ouais. j'essaie là. Je ah sais non, pas. Ah non, il peut pas, d'accord. Pas de meurtre, mais au moins ça les fait reculer. Parce que toi, ouais. ton but, c'est de les empêcher de te toucher, en fait, ces deux-là. Tu peux leur tirer dans les pieds. C'est parfait. Dans la vitre. Oh, j'avais pas vu ça la dernière fois, regarde. On a les animations de la vitre. C'est bien foutu. Donc, carré pour... Ah oui, c'est vrai, ouais, tu dois taper dans la porte. Recule. Recule, bitch. Ce qui va te permettre toi du coup de t'enfuir plus ou moins, ouais, de façon, plus ou moins et moi je vais te retrouver. Ouais, mais là je pense qu'on peut couper là. On va se couper là parce que oui voilà, après c'est en dehors de l'hosto, moi je dois juste me faufiler en m'asseyant quelque part. Du coup, voilà. On vous a montré la phase dynamique de la fuite dans l'hôpital et franchement c'était classe. On ouais, est d'accord. Franchement c'était trop classe. Cool. Ce qui fait que du coup, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. On en a assez montré selon moi. Et du ouais. coup, bon. Je te remercie en tout cas de m'avoir accompagné pour ce gameplay. Ouais, bah, c'était pas avec grand plaisir, mais bon. T'avais bien besoin de quelqu'un de toute façon. Oui, je suis toujours seul. Oui, à juste titre. Du coup, voilà, j'espère que notre test gameplay découverte de A Way Out, sorti sur PS4 notamment, pour le 23 mars 2018. Vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test gameplay. Portez-vous bien tout le monde. Et à ciao tout le monde. Moi, je vous dis pas bientôt. La dernière fois, c'était en 2015, donc dans 3 ans. Ah, ouais. Dans 3 ans alors. À plus.